Par tout le monde. Oh, salut Noé, comment tu vas? Ah ouais, je vois ça, t'as la patate là. Bon, du coup, rien de mieux qu'un petit cœur pour commencer la session d'aujourd'hui. Du coup, la dernière fois, bref récapitulatif, on avait battu Xanto, donc on a réussi à le battre ici. Et on a appris que le réel méchant du jeu, c'était Ganondorf et pas Xanto. Bon, après, on s'en doutait déjà un petit peu auparavant, mais voilà, là, on a eu la certitude. Et apparemment, Ganondorf est de retour en Hyrule. On sait pas exactement où. Ouais, exactement, on s'attaque au dernier donjon, ça y est. Et je vais essayer de le finir aujourd'hui pour finir le jeu. J'aimerais bien faire le dernier affrontement aujourd'hui. Comme ça, demain, ça nous éviterait de couper le stream en plein milieu. Je vais continuer à me dépêcher, maximum. Donc moi, j'ai préparé le prochain stream ce week-end. Je me suis amusé à faire des petites images, des petits trucs comme ça. J'ai passé pas mal de temps sur les détails techniques, parce que c'est un jeu PC, pas un jeu sur émulateur, quoi que ce soit. Donc il a fallu que je recommence une configuration depuis le zéro. Voulez-vous sauvegarder? Ben non, on a déjà sauvegardé. Non, Xanto, on vient de le tuer là. On a battu Xanto et puis Xanto il nous a dit ouais mais mon vrai maître c'est Ganondorf, etc. etc. Alors Ganondorf a utilisé Xanto pour se réincarner dans le monde de la lumière. Maintenant on sait d'où vient la barrière qui enferme le château d'Hyrule. Ganondorf doit être dans le château. Zelda est en danger. Retournons dans le monde de la lumière, il faut rejoindre le château au plus vite. Et l'objet qu'on a obtenu ici, c'est une amélioration sur mon épée. Maintenant, elle brille. Bon, après, par contre, le seul problème, c'est que ça fonctionne que dans le monde du crépuscule, ça. C'est un peu dommage, mais... En gros, je fais plus de dégâts sur les monstres du crépuscule. Et quand je suis dans le monde du crépuscule, bah, mon épée scintille, et puis ça fait de la lumière, je peux... je peux faire, je peux enlever de l'ombre, etc. C'est cool. Mais seulement dans le monde du crépuscule. Je sais pas si ça marche ici aussi, on va voir. Bon, ici, j'ai rien. Pourri. Bon, allez, let's go. Bon, finalement, on a quand même pas mal de cœurs hein, pour une fin de jeu. Je suis à 17 cœurs sur 20. Il doit pas me manquer grand-chose pour finir tout. Hein. C'est pas si mal, comme ça, bah, si jamais des gens suivent le stream, enfin, suivent le let's play sur YouTube pour évoluer dans leur propre version. Ils verront un petit peu l'emplacement des différents cœurs. Je sais que j'en ai oublié un dans le donjon de l'eau. Dans le donjon du lac Ilia. Mais le donjon me prenait tellement la tête que je n'avais pas envie de passer plus de temps là-dedans. Exactement, Noé. Ah, de toute façon, avec Ganondorf, c'est toujours la même histoire. Hein. Oh, j'ai pas suffisamment de rubis. Mince. J'aurais bien aimé acheter la grosse armure, mais je crois qu'il me manque une centaine de rubis environ. On a aussi appris l'épisode précédent, mais bon, ça aussi on s'en doutait, que Midna était la princesse du crépuscule.
Elle se fait maltraiter par son masque. Ça, c'est le masque qu'on a réussi à créer avec les trois premiers morceaux. Au tout début du let's play, on a réuni trois morceaux de masque qui, une fois réunis, forment le masque qu'elle porte là. Et c'est un masque qui renferme des pouvoirs de ses ancêtres. J'avais trop envie qu'il y ait une histoire d'amour entre Midna et Link. Et finalement, ça se... Enfin... Comme dans tous les Mario, tous les Zelda, on croit jusqu'à la fin qu'ils vont se mettre ensemble, et puis au final, on a juste le droit à un petit bisou sur la joue, et c'est tout, au revoir. Et voilà le dernier donjon. L'objectif, ça va être d'aller au milieu. Il semble que je peux pas maintenant. Donc, dans mes souvenirs, je crois pas que le donjon est très, enfin, ce soit vraiment long, hein. Voilà, on les a tous tués. Ouais, c'est vrai que dans Dragon Ball Z, il y a des enfants après. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps sur Gulli, je crois. Ouais, ça m'arrive de regarder Gulli. J'aime bien. Je crois que je devine de quoi tu parles, mais oui. Ah, je voulais pas me faire toucher. Ah, il y a plein de méchants, enfin, il y a plein de monstres ici, hein. On va pas s'ennuyer ici, je pense. Je vais tout casser. Ah, je peux pas. Ah, déception. Je suis déçu. Par notre ami le sanglier. Pourquoi alors? Y a rien. Bon, allez, peu importe, on y va. Allez, monte. Mais c'est pas possible. Monte. Voilà. C'est parti!
Oh, j'aurais dû faire exploser les barils avant. Le Hadouken. Ouais. Ah, je sais pas piloter, j'ai pas mon permis de sanglier. Allez, relève-toi, limaçon. Je crois que quelqu'un m'a tiré dessus. Oh, plein dans la tête. Il y a un sanglier ici. Ah, ce serait bien de mettre un bon gros Hadouken dans la tête de Ganon. Bon alors ici ça c'est l'énigme. Mais je me suis cassé les dents mais un nombre incalculable de fois dessus. Parce que ici en fait il faut faire il y a une énigme avec les pylônes là. Et au début je pensais qu'il fallait faire la Triforce. Sauf que ben c'est bien la Triforce qu'il faut faire mais il faut le faire dans un certain ordre. Et l'ordre eh ben, il apparaît nulle part. Sauf ici, caché sous les feuilles. Le problème c'est que les feuilles ont tiré du décor. Un bon gros Hadouken dans la tête de tous les méchants. Ne t'intéresse pas de savoir ce qu'il y a de l'autre côté de ce mur, Neroxys? Il y a peut-être une entrée dans le coin, tu ne veux pas vérifier? Bien sûr que si, je veux vérifier. Bon alors. C'est là, non? Je ne sais plus. Ah si. Je crois qu'il faut respecter l'éclair de Harry Potter là. Ça être la mode là, ça, les Hadouken. Alors, il faut faire une sorte de Z, un peu à la Zoro. Sur le côté. Alors si je me trompe pas, c'est ça. Ça. Et après, c'est quoi? Ok, deux diagonales. Ok. Alors si je me mets ici, ça veut dire que c'est ça. Ça. Ça, ça. Tac, tac, tac. Je suis pas sûr, hein. Je suis tombé sur le dernier. On était sûr. Non. C'est censé fonctionner. Ah, à moins que tu connais le générique du dessin animé Sonic. Ouais, ça me dit un truc, ouais. Après, j'ai jamais trop regardé ce